Ah, ça marche, Marvelous. Alors, après le cyclotron mural, on va bien regarder qu'on a en psy, parce qu'on ne sait pas. Donc, maintenant, tu vas comprendre ou pas. Tu as le périscope, il te regarde d'en haut, comme ça. Haut de forme, tu sais, le sommier de l'esprit. Tu rentres l'énergie dans le bocal, c'est la science de l'éther. Après, tu es là, un en Christ, comme ça. Maman, c'est quoi ce bordel? Comme ça. Tu vas comprendre. Et ben là, je lance le burnotron. Tu vois, après le cyclotron, c'est le burnotron. Maintenant, vous allez sortir votre paire de couilles et montrer que vous n'êtes pas des PD sous l'exomile. Tu vois. Vous voyez, j'étais pas content. J'ai mon matos, tiens, demain, il y a l'assistance sociale. Oh là là. J'ai un fil glacial, il y a la basse, il y a le clavier, il y a la guitare. Et là, voilà, faut que j'envoie le burnotron parce que, pourquoi? Ouais, faut dégager un peu la table. Parce que c'est encore la pleine lune, tu sais. Et moi, ça me rend fou parce que j'y étais quand ils n'ont pas marché sur la lune en 69. J'y étais encore, j'avais des fichiers qui étaient restés. J'étais pas fini, comme maintenant, je suis toujours pas fini, mais. Le burnotron, tu vois? C'est comme le cyclotron, mais maintenant, il faut savoir que vous êtes tous dépositaires de l'âme du Seigneur, mais c'est pas branché. Il vous manque la subconscience. C'est pour répondre toujours à la question, eh ben, comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos esprits morts? Parce que vous êtes des morts vivants, mais moi, je suis revenant de plein d'incarnations que vous y croyez même pas. Enfin, hier, j'ai rencontré Madame Tout-le-Monde, c'était rigolo. Mais je suis Madame Tout-le-Monde, ah bon? Ça a mis le groove dans la navette à l'hôpital. Bon, Tata, elle est rentrée aujourd'hui, bonsoir. Bon, écoute, on va pas bloquer 15 ans. J'ai envie de regarder ce que j'ai filmé en 89, c'est rigolo. Ça donne la notion d'espace-temps. T'étais là en 89, t'as 20 ans. Bon, maintenant tu vas en avoir 49. Toi, si j'ai pas mon mai 68, cherche pas, ça marchera pas. Et la fête de la musique, je veux faire un Woodstock à Garibaldi. Au moins 300 000 personnes, même plus. The Bible. Tu vois le truc? Passez-vous bien le mauve. Hein. Tu vois? Je t'explique. C'est comme le Xapa, c'est sympa, ou le Sampa, c'est sympa, ça c'est Gotenner. Oh, il y a Pierre Péchin qui est mort. Bon. C'était bien quand on était cool. On a regardé les trucs de la classe. Éric Thomas, je crois, un nom comme ça. Il était bon. Bon, pour l'instant, ça filme, alors c'est cool. Bah, ça doit être message de Michel. Ça que je voulais expliquer, c'est que la trilogie du quintessence, les trois éléphants, on va dire, c'est les monothéistes. Tu vois? Ça me cinétique, je le sais. Moi aussi, ça me cinétique. Du H.tag 1.18, 2, V2, 22, V2M, M2M. C'est pas trop. C'est pour calculer le freinage, l'énergie cinétique. Enfin, compliqué. Mais ça va. Bienvenue dans le burnotron. Ça fait aujourd'hui, alors, 48 ans, 6 mois, du 28, 29, 30, 30, et 5 jours que je suis chef d'état d'âme. Tu vois? Vos oligarchies, vos trucs de merde, de féodaux, de mes couilles, j'en ai absolument rien à foutre. Maintenant, faut remettre les pendules à l'heure. Faut une élection planétaire. C'est même pas moi qui vais être élu. Le pouvoir part pour et avec les peuples. Mais pas les riches qui ont vendu leur âme et qu'ils ne savent plus quoi faire du pognon. Et que, une fois qu'ils sont payés des enfants, des putes et tout ce que tu veux, ils doivent être malheureux en fait. Une fois que t'as tout eu.
C'est pas pareil. Tu vois. La bonne femme là, qui venait à feu vert. Là. Oh, oh. Un petit 4x4 à quoi, 80 000 ou quoi. Un truc tranquille. Tu fais la révision comme à une reine. Tu nettoies bien tout, tu fais bien tout. Nickel. Tu crois qu'elle te lâche 5 euros de pourboire, toi? La bonne femme, elle bosse à Monaco. Comme ça. Je tairai le nom des boîtes, je tairai le nom des trucs. Enfin, Diego, il a bossé. On était parti ingénieur en Tunisie pour faire travailler les Arabes moins cher. Attends, pour que je t'explique. Eh ben, tu crois que la bonne femme, elle aura lâché 5 euros de pourboire, ou le majordome, ou le je sais pas quoi. C'est vraiment de la merde, le monde à pognon. C'est vraiment tous des fils de pute et des enculés. Ils font les beaux à la télé, mais la télé, c'est déjà de la merde en soi. À la Coluche, dernier prophète non reconnu avant moi. La publicité à la télé s'adresse uniquement aux démiles mentaux. Mais c'est exactement ça. Tu comprends? Tu chauffes ou tu chauffes pas, là? Tu vois? C'est que de la merde. Ils te bombardent tellement, ils aspirent ton âme. Tu vois, c'est comme un gros électro-aimant. Moi, je dis qu'il faudrait interdire la télé pour retrouver au moins l'esprit de famille. Par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. Par les médias, les conneries, les jeux de merde et les tablettes et les trucs tactiles de mes couilles, là. Ils enlèvent l'esprit de famille. La guerre, c'est l'esprit des peuples. Les médias, c'est l'esprit de famille. Et après, j'étais pas contente, mais sous cacheton, sous benzodiazépine. Après, ils enlèvent l'esprit individuel. Ça fait que tout le monde pète un plomb, il y en a qui font n'importe quoi. C'est normal qu'il y en a qui butent tout le monde, tu sais pas. Tu sais. Après, si tu veux, ton âme est aspirée. Enfin, comment dire ça? Le vrai problème, c'est qu'on n'apprend pas l'âme à l'école. C'est pour ça qu'il faut faire les nouvelles écoles. On apprend l'âme, le partage, l'amour, le truc. Faudrait que je fasse encore un nouveau dessin, mais... Moi, des fois, c'est pas que je désespère, mais de toute façon, vous comprenez rien à ce que je dis. Je vais te formater télé. Oh, moi, tu me fais pas louper mon feuilleton, ma série de merde, hein, où les doublages, ils sont tellement mal faits, non? Bon, envoyé spatial pour t'éternel, j'ai du boulot, je vais pas bloquer là-dessus. Je dis poète poète, tut tut, Halloween, d'accord, patché salut, inshallahmen iraim. En fait, finalement, je suis le dernier Brahme de Nice, là, enfin, je dirais pas que je suis Brahme, parce que moi je m'appelle l'éternel Christ de Nice, des noms comme ça, tu sais, parce que Jésus, ça veut dire je suis, et on est tous dépositaires d'une parcelle de l'âme du Seigneur. Mais c'est pas accordé, c'est comme les 7 jours de la semaine, c'est comme les 7 notes de l'octave, c'est comme, tu vois? Non, tu vois pas. Ben moi je te dis, maintenant tu vas le voir. Pardonne leur Seigneur, ils sont aveugles. Non, pardonne plus. Ils font exprès d'être cons, c'est pas possible. Voilà.